Barouti. Une grande opportunité. Devenez propriétaire et savourez la joie d'avoir un chez-soi. À seulement 250 $ à payer 18 fois, 117 $ à payer 24 fois, 118 $ à payer 36 fois. Sans oublier les frais administratifs à 175 $. Yaboye Penza, Otikala locataire. La cité Barouti se trouve à Maluku, en face de la nouvelle zone économique. Pour plus de détails, appelez-nous au numéro affiché. Objectif Habitat Asbel, votre objectif, notre objectif. Objectif Habitat, votre objectif. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce plateau spécial que nous allons consacrer aujourd'hui à l'habitat. Aujourd'hui, on ne va pas parler politique, mais on va essayer de parler habitat, on va essayer de parler immobilier. Vous en avez marre, justement, des bruits de vos bailleurs, vous en avez ras-le-bol de faire des cauchemars à partir de la fin du mois. Alors, nous vous donnons aujourd'hui l'opportunité de découvrir ce qu'est la cité Maman Moseka d'une manière générale, mais aussi on va faire les points de manière vraiment particulière sur la cité Barouti. Qu'est-ce qu'est la cité Barouti? On va tenter de décortiquer cette question et l'émission sera donc bilingue pour permettre une meilleure audition. Sur ce plateau, je reçois M. Soleil Okelo qui va donc bien évidemment nous parler de la cité Barouti. Bonjour. Bonjour M. Hervé. Je suis comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Et vous? Ah, pense pas, moi je suis d'ailleurs très ravi de vous voir, vous avez encore pris du poids et je me demande c'est quoi justement les secrets dans un pays où tout le monde crie à la misère, tout le monde crie au chômage, mais vous avez quand même l'état de prendre du poids. Disons que nous essayons de tracer notre chemin, nous ne participons pas à ce qui se passe dans l'environnement et voilà. Très bien, alors je disais tantôt à l'entame de l'émission, qu'avec vous, on va essayer de parler de l'habitat. Et vous nous apportez la très bonne nouvelle de la cité Barouti. Alors, en gros, c'est quoi la cité Barouti? Alors, la cité Barouti, c'est un peu comme nous le faisions avant. Mm-hmm. C'est un nouveau lotissement que nous avons lancé, une nouvelle cité. Nous avons créé un havre de paix. Mm-hmm. Un havre de paix qui porte le nom de l'éminent pasteur Barouti, dans le but, bien sûr, mm-hmm. dans l'unique but, bien sûr, de conserver ce patrimoine qui est le nom du pasteur, l'église Tabernacle Barouti et un peu l'histoire qu'il y a derrière la République. Alors, la cité Barouti, où on peut situer cela? Alors, la cité Barouti se trouve dans la commune de Maluku, comme je vous l'ai dit tantôt. Alors, elle est dans la commune de Maluku. Elle commence au bord du Macadam, de la route principale, bien sûr, de Maluku, communément appelée le boulevard Maluku, comme on l'appelle dans la zone. Et elle est en diagonale de la nouvelle zone économique. Disons que c'est la référence majeure qu'on utilise. Alors, cette référence nous donne, bien sûr, l'idée des opportunités que la cité Barouti nous offre. Cité Barouti, alors pourquoi justement les noms Barouti est accroché à cette cité? Ça peut être quand même à la curiosité. Hein? Oui, justement, oui. Nous recevons souvent cette question et nous avons justement le plaisir de vous dire que cette cité a été lancée dans un esprit de partenariat. Nous avons Objectif Habitat particulièrement, a eu la clairvoyance de vouloir conserver le patrimoine de tous ces grands leaders que nous avons dans le pays. Et malheureusement, nous n'avons pas été à l'époque de Papa Simon Kimbangu, mais nous avons bien sûr fait une cité, deux cités portant son nom. Ah, et vous avez aussi une cité Simon Kimbangu. Exactement. Ah, ça, c'est quand même intéressant. Voilà, et dans le même but de perpétuer le nom de ces grands leaders, nous avons maintenant entamé la cité Barouti avec le pasteur Barouti comme partenaire. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que l'on a l'animal? Ma modalité, justement, est anime. Quelles sont les modalités pratiques pour que Moutou soit terrain dans la cité Barouti? Alors, pour la cité Barouti, particulièrement, tout visa qui est atteindre la population congolaise. Tout à l'heure, la population congolaise. Et dans la mesure du possible, tout le cas qui est quitté ça. Ba modalité de paiement au plus bas possible. Et puis, tu as une échéance pour permettre aux Congolais, aux Kinois,
bakoka ko somba ba terrain wana na ba mungu ya mike mike oto sala ka nango na mboka na biso. C'est pourquoi ba modalité de paiement na cité Barouti eza na trois paliers. OK. Le premier palier eza palier ya gold. To bingango gold eza na ba modalité ya paiement ya $250 ya pamba pendant 18 mois. Donc, $250 par mois pendant 18 mois. Exactement. Aux 8 terrains. Aux 8 terrains. Ah. Deuxième palier. Et si, non, nous m'en papa Hervé. Deuxième palier, Ezali, palier, il y a argent. OK. Bango, Bazofuta, premier dépôt, il y a $250. Mm. Et puis, $177 pendant 24 mois. Mm. Mais na liro ba komule tu ba koma ba propriétaire ma bien sûr et ça idée na simana yango yango wana. Alors to kiti sous na palier à bronze, na palier à bronze ezaka la même chose, bazo futa premier dépôt à $250 et puis ba continuer ko futa pendant 36 mois $118 ya pam. OK, donc $118 par mois durant 36 mois, soit 3 ans. Oui, et aux îles au pam. Exactement. Alors, je ne sais pas si la superficie est la dimension. Est-ce que je ne sais pas si vaste et tout ça, le système de commande, un quart? Pas du tout. Je ne sais pas si 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 400 mètres carrés. 400 mètres carrés? Exactement. 20 mètres sur 20. Oh là là. Mais il y a une merveille. Oui, oui. C'est une idée de la dimension. C'est que tout ce qui tu peux ça va te possibilité à cause d'un espace nanda cause d'un place moko ou muta ko sepela na ko vanda na famille na imobima. Tu vois ce que na kata cité Barouti. Les avara ba chrétien ou ba kenan église ya pasteur Barouti ne ba ki ko somba to témoin de Jéhovah pa ko ya sombi ba to papa ko so ba ko ya ba sombi pe catholique pa ko ya sombi. Bon, to le boy na idée à église au de sali partenariat na yango donc l'église Barouti tabernacle Barouti ezala ki que to perpétuer des combos. OK, il y a papa Barouti na église le tabernacle Barouti mais to le ba que n'importe quel chrétien ou croyant ou oui de n'importe quelle confession religieuse au Koyapé au Sombi na au terrain n'avait pas objectif habitat na katia cité Barouti pour na profiter bien sûr na offre wana. Alors ba garantie sécurité au niveau de sa batou bolanda message na bino que so ba Sombi ba vraiment assurer que place wana moule koyate mambo de garpisme koyate ma garantie zani. Alors, la première garantie, c'est que nous, institution, nous, objectif habitat, au Banda depuis des années et des années. Et tout ça, nous, Alors, deuxième garantie, c'est bien sûr sécurité au niveau du contrat Nabiso. Contrat Nabiso, tout ça, c'est un acquéreur Nabiso. Et sécurisé au niveau que Nabiso est en charge, il y a une responsabilité à terrain. Donc, okay. Quel que soit Coco Seizali, Okuki Gozong a un objectif habitat pour pouvoir, bien sûr, être réhabilité dans tes droits. Alors, ce qui nous a dit, la modalité de paiement, la binona et qui a commis une souka, a appuyé, a freiné, a nios. Alors, ça, la n'y a pas de possession, de document, de mikanda, nios, et ils ont prouvé que réellement, il y a une propriétaire, il y a espace soin. Alors, premièrement, la souka, il y a un paiement, on a tozong, c'est la kaba client, a biso, un acte de vente, n'a numéro cadastral. Okay. Il y a un numéro d'ordre d'enregistrement, il y a terrain à yo, à niveau il y a cadastre, le ministère des Affaires foncières. Alors, une fois qu'on a le document, on a la possibilité, il y a que ça, il y a un peu pour prouver, il y a mis sur l'État, il y a mis sur l'État, il y a propriétaire, il y a terrain. Wana. Alors, le document, on a bien sûr mutation, il y a un numéro cadastral, on a na contrat de location de terre et pas na bisopé tous un service moko et salé la kango ba dit que ba tinyo sauté ni bazana ngonga ya kokende chaque jour kuna na niveau ya bureau ya maluku kuna ya cadastre pour na kosali sa mukanda wana. Alors tout ça la service na biso moko o esunga ka batu o bazana ngonga te o bazana makoki ya kokenda ka kuna ernio sauté ba ya ka pa na biso ba déposer ba mbongo na bango pour na service wana. Et puis, il y a tout salé, il y a tout livré en deux semaines ensuite. Donc, au-delà, il y a couper sa terrain, il y a facilité comme propriété. Donc, il y a un peu de choses organisées pour que le monde soit facilement à Mikandana. Exactement, on va y arriver. OK. Alors,
Couper sa route terrain, oui, c'est bien bon, mais est-ce que cité un Mouéza vraiment vivable, est-ce qu'il est courant en maille? Parce que généralement, nous apprenons toujours que de l'autre côté, vie est un peu difficile, Banzela n'a pas si courant, maille, ça pose problème. Est-ce que ma condition, disons, urbanistique est là vraiment réunie pour que tu vas vivre en cas et à cité, la cité on. Bon, il faut l'admettre, hein, bah, institution n'a vu ce qu'il n'en a pas si. Tous en a difficulté, par exemple, que le ministère des Affaires y a habitat à l'Andabiso dans la zone Ouana. Tous en a difficulté, régie des eaux à l'Andabiso. Tous en a difficulté, SNLP à l'Andabiso. Cependant, il faut que tout s'organiser. Disons que l'idée de Simanayango, c'est de créer un havre de paix. Place au Moutou, Aza à l'aise. Aza na maï, Aza na courant, Aza na installation nyonso. Aza autonome, aza na posa ya kozo na koto yote pour récupérer à sombelo qu'on a supermarché par exemple. Idée na simana yango yango wana. Alors, eloko to sala eza que to disposa na kati ya ba cité na biso neti par exemple na kati ya cité Baruti. Ba forage eza sur place pour permettre l'accès à l'eau. Des forages bien sûr certifiés par l'institution INERB. Ba forage on a mis nomo onyebo créer en auto ba to ba sombi déjà commandé ba s'organiser. Pour en créer un autre. Biso mokonde to tie ba forage wana to pesi ba acquérir na biso nyonso accès na mayi wana à travers ba forage. Dans ba zo foute to ba sel on fait. Disons que pour na ba construction et tout ce qui va dans ce sens là, l'aménagement construction, ba mayi wana isa au fait. Dans son da continuer wana on foute. Oui. Quelque part bo petit terrain mais bo ke mo bimbate. Dans le sens où il faut que ça l'entretien ba forage wana. Okay. Donc il faut ba réparation, il faut ba entretien, il faut équipe au sala ba forage wana et banaka kozunga ka chaque 4 mois, chaque 5 mois pour nakota la ka ce qui forage en haut et ça toujours ko sala correctement. Et puis il faut chaque année ko renouveler certification nango au niveau ya ce qui mais ça potable. Donc il faut chaque année ko renouveler ba certification wana. Donc moi ba bilo ka miki wana ils ont signé que moi, couille avec Nyamouké, ils allaient fixer. Le côté main déjà, c'est bon, alors côté courant, c'est bon. Côté courant, par contre, nous avons un avantage, il y a que ça a Pembe, il y a Maloukou Centre, Pena, la nouvelle zone économique. Alors, dans les deux zones, Batoubaébi déjà, que dans les deux zones, courant, ils allaient à Nyamouké. Un courant d'ailleurs très stable. Alors, cet avantage-là nous permet, bien sûr, il y a pour contacter la SNEL pour Akoukakoula Nabiso. La distance n'est pas très grande. Par contre, pour la régie des eaux, Cocos et Zakimamba. Donc, avec la SNEL, c'est déjà bon. Disons qu'on espère qu'ils vont faire le travail le plus rapidement possible. Ok, alors mesdames et messieurs, on va cette fois-ci suivre ces spots que nous propose bien évidemment la cité, disons l'organisation, et puis on va se retrouver tout juste après. Cité Baruti, une grande opportunité. Devenez propriétaire et savourez la joie d'avoir un chez-soi à seulement $250 à payer 18 fois, $117 à payer 24 fois, $118 à payer 36 fois. Sans oublier, frais administratifs à $175. Yaboye Penza, Otika la locataire. La cité Baruti se trouve à Maloukou, en face de la nouvelle zone économique. Pour plus de détails, appelez-nous au numéro affiché. Objectif Habitat Asbel. Votre objectif, notre objectif. Objectif Habitat, votre objectif. C'est pour la vente de terrain. C'est vous le génie, nous sommes assurés de vous. La dernière fois, même volé de vos idées, papa. On ne fait que ce. C'est un bon moment pour vous. C'est quelque chose qui passe à nous, on n'a pas le moment pour vous. Avant de bien être. Pour ça, la parole que ça y est, et tout le monde a un terrain de son moment. Et les bandes de combat, la bande de combat, si, pas pour qu'on soit dans un terrain, on peut le retourner, il y a un peu de temps, on peut le faire, on peut le faire.
bien-aimés dans le Christ, shalom. Voilà ma déco, d'ailleurs, objectif Habitat Rest. Toi, évolue à Kaka depuis longtemps. La Kaka, c'est la création, il y a ma terrain. Tu fais ça, ça, ma terrain à crédit. Donc, ma terrain, nous avons fait ça, mon bateau, la Nyongo, parce que ça m'a l'air, mais m'a l'air. Si quand la Kaka, c'est la réflexion, toi, Kobanza et l'autre, Moko, il y a des importants, c'est délai. Donc, on est ici berger la mission et la République. Les amis, le révérend pasteur Baruti Kassou. Yangoana, Toussali, cité Baruti. Pour la copesa, non seulement Batou, pas soit ma pango, Batou, pas le roi, na mignon, coli, ya babaya, et les soussous, pour la copermettre les soussous, na bachel, na biso, ya taganako, ya Baruti, pas soit le moussala. Timingi, mingi, pour la immortaliser les soussous. Immortaliser Congo et mon salion, ça me permet de une opportunité et ça y est, mais ça me dit ce qu'on sort. Ma place est à très limitée. Tous au mandat à ma souscription, la piste caution. En fait, dans la procédure, on y va pour obtenir le terrain. Tous en la souscription, caution. À part ça, tout le monde a posé la tente, la piste. Place aux autres, on a l'illustration et l'image. Mercredi, vendredi et dimanche. Entre-temps, bureau d'Abisso et Zaline à Gombe. Et donc, bonjour. Croisement boulevard du 30 juin à Wangata. Peu encore, il y a couleur orange. Dans un à 5e niveau. Merci beaucoup. Ma tante de Mimi. Pour la société d'Abisso. Pour la société d'Abisso. Une opportunité en or. Yopé, Komakolo Lopango. Oyo, Eza Kaka Terente, Eza Bénédiction, Eza Héritage. Yambaloyo, Yabisomoko, Cité Baruti. Na 425 dollars déjà, aux 8 déjà numéro à Lopango. 25 dollars y a souscription, 50 dollars y a borné panneau, 100 dollars y a numéro cadastral, Togo Sanité, 250 dollars pendant 18 mois. D'une manière échelonnée, devenons propriétaires. Révérend pasteur Baruti, papa Oya Kanisakaba Nanae. En tout cas, on est là. Immortalisons l'homme de Dieu. Immortalisons le berger de la République. Immortalisons le révérend pasteur Baruti Kassongo. Objectif Habitat, notre objectif. Alors, Monsieur Soleil, auquel je suis encore une fois de plus à vous, on continue de parler de la cité Baruti. Alors, dites-nous, pour la bande qui chasse à tout, bande comme ce soir, n'importe comment va ça pour que vous contact le bino et puis va acquérir le terrain, comment va propriétaire. Alors, c'est simple, tout ça n'a pas surface nuance où les alliés à communication et à l'élu à Mikoloyo. Tous en bas réseaux sociaux, nous tous en bas, bien sûr, le numéro de téléphone est disponible. Et tous d'ailleurs, tu as amélioré le service Nabiso, il y a call center, donc appel, tu as recevoir un Nyonso. Donc on ne rate pas un appel. Okay. Donc, numéro Nabiso, il a bien sûr à votre disposition. Et n'hésitez pas de nous appeler. Facebook Nabiso, il a objectif Habitat. En deux mots, bien sûr, objectif Habitat ASBL. Twitter Nabiso Peza, objectif Habitat Kaka, objectif Habitat ASBL, bien sûr. Et Instagram Nabiso P, pareil. Donc, moyen qu'on rate, bien sûr, dans les réseaux sociaux et ça. Dans WhatsApp, dans les réseaux sociaux, tu vas voir ce qu'on aime.
appel normal peso les cas appel direct on va GSM on peut bien abissouper na appel na numéro na biso à votre disposition disons bateau à part les réseaux sociaux ils ont un numéro pour votre barouille gobelin oui bien sûr numéro na biso à votre disposition le numéro RTL Vodacom tout ça peine un numéro ya Orange alors pour avoir des coups bazar des tibans na yamboka na katia ou na niveau interne ya Congo on peut-être été à confiance ou pesa bongo à refouter chaque mois. Est-ce qu'il y a la possibilité de reverser mon direct et pas la bino? Est-ce que vous avez un compte bancaire mon boue et tout le canon que vous créez pour que bateau peut aller banda mais dans la facilité on a au côté de contact la bino reverser mon la bango éventuellement peut-être pour l'année la maman mikanda na maman sous oui oui bien sûr tous en a trois types de paiement et pas la biso tout sali tout ça là on a na idée que moutouna moutouaza la na apona type de paiement où ils ont facilité le plus souvent, on procède par les sociétés de transfert de fonds. Okay. La Western Union, MoneyGram, RIA et ainsi de suite. Tout ça, on a un agent de recouvrement à Bissot. Oh, bah, ça, on a uniquement pour ça. Il suffit de nous contacter. Il y a quoi, il y a Bissot, que nous ça, le paiement, boye. Bissot, au Tinde, là, il y a identité, il y a agent de recouvrement. Au Tinde, on a un niveau, on a identité, il y a. Au Tinde, il y a récépissé, on a. Bissot, au recevoir, il y a un de sali procédure et ensuite de zongi sali au reçu. Mais quand on a un union, soit aux autres, on a un bon. Et à la fin d'ailleurs, la possibilité est zali que tout faire suivre bas document, on a en place aux zali via ma société, à ma fret, à DHL et ainsi de suite. Bien sûr, à vos, aux frais de l'acquéreur. Donc, nous avons des coups à Nambouka, bien sûr. Tout à peine à voie à compte bancaire, nous sommes domiciliés à Banque Mibalea ou na Kinshasa. Alors, tout ça, na FBN Bank, Pena Equity Bank. Okay. Alors, ils ont pris ça comme idée ou na couper sa possibilité na batu nyoso aux alana Congo, aux alana à l'étranger, au coup qu'on rejoindre Bissot. Alors, par rapport à la construction, parce qu'ils sont dans son terrain où il y a aussi quand on bon côté comme le terrain foot, sont dans son par rapport à la construction, est-ce que vous avez un partenariat avec l'entreprise de souper à la construction? Tout le monde a un bateau qui a ce pays qui a un salon. Alors, chez Objectif Habitat, on accompagne le client et Bandeliti Nasuka. Et ça, à niveau il y a acquisition à terrain, documents, aménagement à terrain, mise en valeur, tina construction. Alors, et là, tout ça, là, c'est que tous avons déjà à ma disposition pour na kokakotonga. Alors, tous nous mettre à la disposition, bien sûr, de nos acquéreurs, bah, différentes offres au tous en amont. Il y a bah construction, tous en a bah type, il y a bah ndako, tous nous permet, tous nous construire pour na bah acquéreur en abisso. Tous en a bah type, il y a bah mise en valeur ou tous nous construire pour na bah acquéreur en abisso. Mais même na bah type, na bah mise en valeur voilà. Bah clôture par exemple, tous en a bah type différent, il y a bah clôture, il y a VIP et Zali, il y a normal et Zali. Donc, tous les bandes de bandelite na souka. Alors, bien on est besoin pour imposer modèle de construction, tout client de aro décider d'endiguer à ces pays retour. Donc, exact client de aso pona type de construction à ligne. Ok. A poni na bat type de construction, on a ce qu'on a c'est la modification. Par exemple, na type ou ya poni. Par exemple, au poni, ndaku ya tous les proposés à rez-de-chaussée plus un ya 4 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Et ça, déjà, l'architecture na yango. Ce qui est au lieu, ça, la modification na architecture na yango, tu reçois plan au yo, modification au quotidien de la bisouana. Tu peux si yango équipe ya ba architecte, bango ba salle, ba bande li étude, ba bimi si si ko yo prix ya modification na yo wana. Pour chaque modification, et ben daka, ba matériaux ya sika, ba biloko ya sika, bele bele. Il y a un peu de prix matin, tout prix quitte. Okay. Donc, sur base de ça, qu'on travaille. Est-ce que le client a une obligation de collaborer avec l'architecte ou avec le client ou avec l'équipe de l'architecte déjà pour mettre ça en pour continuer pour travailler dans le bon, disons que oui, nous sommes ouverts au fait que le client a ça librement, bien sûr, usage et le terrain dans le
Okay. Mais on vous met au défi d'essayer de faire la concurrence. Oh. Disons que bah, paiement, on a dit son nuance, ils ont toujours échelonné. Okay. C'est ce qui fait que nos clients restent fidèles. Même au niveau de la construction, nous faisons le mieux possible pour atteindre la majorité de la population. Donc, ça veut dire que tout ça, il y a une possibilité, il y a qu'au foot, par exemple, clôture, pendant 3 ans. Ok. Alors, on est arrivé à la fin de l'émission, Monsieur Soleil, auquel je vous donne cette fois la possibilité de vous adresser au public, aux Congolais qui sont éparpillés à travers le monde. Alors, la caméra est là devant vous. Quel est votre dernier message à tous les Congolais qui ont eu l'opportunité de vous suivre à travers cette émission? Alors, ce que je dirais aux Congolais d'ici et de l'étranger, c'est que venez nombreux à Objectif Habitat, venez vous renseigner d'abord, on vous dira tout ce qu'il faut. Et une chose est sûre, c'est que si vous voulez devenir propriétaire de terrain, Objectif Habitat sera là pour vous aider. Très bien, alors on a terminé cette émission. Alors moi, je m'en vais lancer comme ça un appel à tous les amis au niveau des États-Unis. Amédée Matonga, tu me suis en ce moment, tu as besoin de devenir propriétaire. 150 $ pendant 18 mois, c'est ça? Exactement. Voilà, tu es propriétaire. Merdi Mabois, tu es également aux États-Unis. 250 $ multiplié par 18, tu seras également propriétaire. Judith Itoma fait la même chose. Pomi Poutou au Brésil fait la même chose. Bref, tous les amis de la diaspora, je vous invite en tout cas à rejoindre Objectif Habitat. Vous ne serez pas déçus. Cette émission est terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. C'est Barouti, une grande opportunité. Devenez propriétaire et savourez la joie d'avoir un chez-soi. À seulement 250 $ à payer 18 fois, 117 $ à payer 24 fois, 118 $ à payer 36 fois. Sans oublier, frais administratifs à 175 $. Yaboye Penza, Otikala locataire. La cité Barouti se trouve à Maluku, en face de la nouvelle zone économique. Pour plus de détails, appelez-nous au numéro affiché. Objectif Habitat Asbel, votre objectif, notre objectif. Objectif Habitat, votre objectif.